à Rochemenier. Et nous allons visiter encore un troglodyte, un village cette fois-ci. Ils sont beaux. Je suis en train de télécharger le guide, mais il veut pas. Ça, c'est de la machine. Hein. C'est une locomotive, machine à vapeur pour entraîner la batteuse. La batteuse. Très bien. Très bien. Voilà, en état de marche. Parce que le battage est nécessaire hein, pour séparer le grain des tiges. T'as vu tous les outils qui... Ouais. Il y a les outils, c'est chacun un peu chou. Tout à fait. Alors là, nous avons un ancien batteur. Il y a un truc là. Bah oui. Mais est-ce qu'il y a du ventre? Ah oui. Ah, ah. Ouh, joli. Joli. Il fait bon frais. C'est une belle meule. C'est la belle meule. Hein. Et là, ça ne va pas plus loin. Ouais, mais bon, tu vois, on voit bien. C'est super. Franchement, c'est bien. C'est bon. En plus, à cette heure-ci, que nous sommes arrivés très en retard, il ne reste plus qu'une heure de visite. Mais du coup, il n'y a plus personne. Ce qui fait que parce qu'on a croisé des enfants à tire-larigot. Ah oui. Oui. Et ça c'est 4, c'est autre chose. Ah c'est quoi alors? Mais voilà. En tout cas, c'est quoi ça? Tu prends en photo ça? Je ne sais pas. Ça oui, sûrement. Donc là, c'est une étable située près du puits et de l'abreuvoir, les animaux pouvaient sortir et boire sans traverser la cour. Jusqu'à 3 vaches et quelques chèvres pouvaient tenir dans cette pièce. Ok. Et oui, c'est un puits. Une autre meule qui fait une belle. En tout cas, c'est beau. Et là, qu'est-ce qu'il y a là? Non, je ne sais pas. Donc, 5, c'est une chapelle. Un peu étonnant, non? Non, une chambre. Ah bon, j'ai pu faire. Une chambre. Bon, le lit est pas mal, en tout cas. Zouave. Ouais, là, c'est un zouave. Ah, déguisement des enfants lors de la procession de fête de Dieu. Tu as vu le zouave, Daniel? Oh, le lit d'antan. Donc, il y a des grands lits. Des grands lits. Comment stop le tour, c'est grand. C'est...
Les poules. Ça c'est du four, tu vois. Ça c'est top ça. Alors, blé tendre, blé dur, seigle, petite épeautre, chènevis, lentille jaune, haricot blanc, lentille verte, pot cassé, flageolet vert. Ça c'est de l'école. Il faut ton décor. With a beer. 8 7 C'est quoi un comptoir? Donc ça c'est le pressoir Vasselin, n'est-ce pas? C'est à vis horizontale. Donc là on faisait du vin. C'est beau là. C'est très chouette. Oh, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique là. Toutes sortes de charrues. Deuxième ferme. Et les outils, je te demande à quoi ça peut servir ce truc. Je peux te dire que ça s'appelle une douelle, ça, mais ce n'est pas un outil. Une douelle, c'est une lame non, c'est de. C'est ce que je disais à Jérôme, ça. Ah, ça. Et toi, c'est une douelle, c'est quoi ça? Mais c'est une lame de tonneau, je pense. Ah. Une douelle. Est-ce que tu veux que je te mette un coup de douelle?
Une belle charrue encore. C'était rentable de creuser parce que moi on ne voyait pas. Il y a les puits. Bon, c'est bouché, mais... C'est tout simplement magnifique. Tout simplement. C'est assez incroyable. Hein. Ok, donc voilà, ça c'est un rouleau. Qu'on faisait passer pour casser les mottes avant d'utiliser la herse. Voilà. Il doit y avoir des étagères ou des trucs comme ça, non? Ouais, c'est ça. Je crois qu'ils auraient fait des trous. Des nids de poules, ils appellent ça. Mais un autre puits donc là c'est un falin et là ils ont comblé avec les pierres pour fermer le trou. Et là en face, c'est le bar. Non, pas.
Waouh. Alors là, c'est une merveille. Là, oh là c'est là. Stylé de chez stylé. Oh. Une chapelle, là ? Ouais. Une chapelle troglodyte magnifique. La chapelle souterraine. C'est fantastique. C'est trop glodique. Ah bah oui. En fait, tout le coin est comme ça, quoi. C'est vraiment... Alors, ici, j'irais jusqu'à dire que ce sont des trous glodites. Elle est bonne, quand même.